Old woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking, must be talking. Don't you come back? I do not understand you. And don't you come back? Oh baby, please, and don't you come back no more. Okay. Ouais, tu vas goûter à mes patates dans la gueule, toi, la prochaine fois. Ah, ils ont l'air de bien s'entendre. Oui, ils s'entendent très très bien, oui. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut les laisser ensemble. Bon, écoute, c'est lui le père? Ouais, putain. Bien, gros, je t'explique le dilemme, tantôt. Ne t'en parle pas à Sterling, ok? Dis-moi. Ah, Matt et moi, on a une relation. Quand j'étais dans la merde, c'est un des gars qui a été plus là pour moi pour m'aider, ok? C'est lui qui m'a fait vraiment des trucs de fou. Genre, et un soir, on était complètement défoncés, et il a couché avec moi sans mon consentement. Et on a une relation vraiment toxique. Genre, un jour, on s'est disputé, il a essayé de me faire bouffer un cœur humain. Ah. Il m'a mis dans un cercle de flammes, il a fait vraiment des trucs. Alors, tu es capable de prendre des innocents en otage, mais t'es pas capable de lui mettre une balle dans la tête comme on t'a appris à te défendre. Le problème dans tout ça, c'est que malgré que ce soit un bourreau, c'est quelqu'un qui a été là aussi, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, mais c'est quelqu'un que t'apprends à apprécier et je deviens complètement taré aussi. Oui, tu fais les mauvais choix, de toute évidence. Est-ce que t'as repris ton traitement comme je te l'ai conseillé tout à l'heure? Mais j'ai pas de traitement, tonton. Si, t'avais un traitement. Écoute, va falloir faire les bons choix. Cet homme-là n'est pas fréquentable de A à Z. D'accord, sauf que je t'explique, je suis enceinte, ok? Ah bah oui, mais et je suis en couple avec Vertugo, et Vertugo, il m'a dit, si c'est lui le père, sache que ton bébé, il va mourir, ok? Il m'a dit, à sa naissance, je le bute, ton gosse, si c'est pas mon fils ou ma fille. Oui, bon, c'est bizarre, mais plus rien. Dites-moi, est-ce qu'en venant dans cette ville, il n'y aurait pas une sorte de malédiction qui fait que tout le monde devient terroriste ou tueur de bébés? C'est une simple question, ma petite Effie, parce que non, je t'ai lâché, t'étais gentil comme tout et... Le problème, c'est qu'en face, là-bas, t'as le chef des bikers et Vertugo, c'est le préfet Vagos, le chef des Vagos, un gang. D'accord, et donc, écoute... en fait, quand tu fréquentes pas les gentilles personnes, tu vois. Oui, bah oui, de toute façon, j'ai bien compris que dans cette ville, je ne sais pas qui fréquenter pour voir de gentilles personnes, mais laisse-moi un dernier truc. Écoute-moi, Effie, d'accord? Laisse-moi un dernier truc. J'ai bien compris que cette ville, il y avait un problème quelque part. Pourquoi il essaye de rentrer celui-ci là? Il croit que je ne le vois pas du coin de l'œil? Bon, peu importe, écoute. Cet homme-là, il a des amis, dis donc? Ouais, il a des amis. Okay. Mais ils doivent pas être au courant, ces amis, genre vraiment pas. Oui. Vraiment pas. Donc du coup, j'ai fait un marché avec lui et je lui ai dit, écoute, je garde mon bébé. Alors... Écoute, mais c'est pas toi qui l'élève, ok? Écoute, je vais lui éclater la gueule à ton copain, d'accord? Tu m'attends ici, je reviens. Sterling? Oui, il s'occupe avec la voiture. Non, bah il s'occupe pas, tu vas et tu lui mets un coup dans la gueule, hein. non, je peux pas faire ça. Si, c'est pas ma voiture. Je vais lui mettre un coup dans la gueule, moi. Oh, monsieur, ma gueule depuis le départ. Monsieur, calmez-vous, canalisez-vous. Mais peux me battre. Ta gueule, Mads. Arrête. Ah putain. Dis donc. Ils se foutent de ma gueule, il est sous ses coups. Sterling, s'il vous plaît, il va falloir vous défendre. Non, le mec, je lui ai dit quoi? Bah, dis-moi. Il me dit, je vais être enceinte. Il me dit, ah ouais, avec qui? Mais qu'est-ce que ça te regarde? Arrête de me regarder. Je pense qu'il est. Oui, bah oui, je pense qu'il est bizarre un peu. Je pense que la lune. Et puis, est-ce qu'il existe un truc? Je ne dirais pas pardon, monsieur. Un point sur le corps pour peut-être l'endormir, je ne sais pas, je le calmer en tout cas. C'est un animal sauvage, vraiment, mais il est gentil dans le fond, vraiment le fond. Oui, bah on se doute bien qu'au fond, ça a tapé. Bon, Effie, on finit notre conversation, s'il vous plaît, et après on s'en va. Parce que cet homme est très... Ça va, je te pardonne, c'est bon. Allez, tu es pardonné aussi. Voilà, bon, oh, ça c'est beau, ça fait de vous des câlins. Tu es pardonné. J'arrive très vite, Sterling, paniquez pas, vous inquiétez pas, vous saurez tout. Mais Sterling, s'il vous plaît, dès qu'il retombe sur la voiture, il va falloir s'occuper. Je m'en occuperai personnellement. Un petit peu plus loin, j'ai des trucs à te dire, Effie. Mais je crois pas. Non, viens un petit peu plus loin, là, ça commence à me casser les couilles, là. Cette ville de merde, avec les habitants de merde et les citoyens de merde, hein. Viens là. C'est bon, ça commence. Je te présente quelqu'un, tu t'entends pas avec. Bon, écoute, là j'ai remonté mes manches, d'accord? Parce qu'on commence à casser les couilles, cette histoire. Ok. Écoute, ce mec-là est un dégénéré, d'accord? Il ne t'apportera rien de bon. Donc, colle-lui une balle dans la tête, tu fous son corps dans un buisson, personne s'inquiétera, d'accord? Et tonton, t'es avocat? J'en ai rien à foutre, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je t'ai rien dit. C'est ma déontologie, d'accord? Bon, voilà, au point où t'en es. Donc, tu te débarrasses de ce mec-là, d'accord? Et puis, on n'en parle plus. Ensuite, c'est son bébé que tu as. Ouais. Bon, au moment d'accoucher, ne dévoile jamais ça. D'accord, tu vois ce que je veux dire? Ne dis jamais à ce bébé que son père était comme ça. J'ai envie de me planter un couteau dans le bide. Je crois que je vais le faire maintenant. Non, non, mais par contre, il faut que tu pries très fort. Je vais le faire maintenant, tonton, je crois. Non, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Arrête, je vais t'en mettre une. Ok, d'accord, j'arrête. Voilà. Il faut, là, c'est... Là, va falloir tous vous canaliser, parce que j'ai réellement envie de brûler toute cette ville de merde, d'accord? Détends-toi. Oui, bah je suis détendu. Il n'y a pas plus détendu que moi. Comment il s'appelle l'autre là? Dépêche-toi là, vite. Le mot me perd. Mads? Oui, non, l'autre. Sterling? Non. Putain, l'autre en face. Voilà, lui. Donc, lui, c'est ton mec. Ouais, mais okay. Je le vois presque jamais, tu vois, alors que Mads, je le vois tous les jours. Ok. Mais j'aime pas Mads, mais Vertugo, je pense. Alors pourquoi tu vois tous les jours? Pour plein de raisons, pour le business et tout. Puis malgré tout, je te jure que quand t'apprends à le connaître, c'est un bon gars, tu vois. Mais je le déteste quand même, c'est vraiment une grosse merde. Mmh. C'est trop compliqué, j'en ai marre, je vais péter un plomb, tonton. Écoute, je vais tenter quelque chose d'intentable. Vas-y. Je vais appeler le président. Je vais avoir une discussion avec lui. Je vais lui mettre... numéro? Je l'ai déjà. J'ai déjà parlé. D'ailleurs, le président me paraît bien jeune et... Comment vous dites? Racaille? Non, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression dans cette ville, je deviens parano, mais... Je suis pas sûr que ce soit le président dans ce cas. Ah si, c'est... écoutez, c'est le président, il se présente en tant que président. Caramel Cray? Pardon? Caramel Cray? C'est le nom d'un bonbon, peut-être, à sucer, je ne sais pas. Et le président a les cheveux gris, écoutez, en arrière... je vais vous donner son numéro. Ah, il a peut-être les cheveux gris, j'ai eu au téléphone, mais... il me donnait un air un peu bizarre. Bon, tu n'auras pas son numéro. Tu n'auras pas son numéro. Écoute, c'est bien le président. Je vais discuter avec lui. Et... le numéro, c'est 2875. Oh oui, c'est ça. Donc, je vais discuter avec lui. Il a l'air d'avoir un dialecte très familier, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui dire que, de toute façon, dans la police, dans le FBI, rien n'a été clair. D'accord? Et quand je vois, parce que je l'ai vu de propres yeux, de mes propres yeux, les filles, d'accord? Quand je vois le bordel, en cas d'intervention, ils n'ont respecté aucune règle, ça court avec des pistolets dans un commissariat, je peux te dire que je suis très remonté et que ça a été, tu as été victime de manipulation, je vais bien lui faire comprendre et on va trouver un arrangement pour te sortir de là. Ok. Tu comprends? En attendant, t'as juste une mission, c'est pas mourir. C'est possible ou pas? Ouais, je vais essayer, t'inquiète. Voilà. Mais de toute façon, je tiens à la vie vraiment, j'ai pas envie de crever, donc... Oui, je reprends mon attaché. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui prend soin de moi. En face de moi, j'ai l'impression que tout le monde me laissait tomber jusque-là. Non, mais dans cette ville, tout le monde laisse tomber beaucoup de choses ici, donc ça, je comprends. Allez, c'est bon, ils arrivent. Même, tu vois, j'avais plus de là, parce que... papa, j'ai plus maman. Oui, je suis là. Je suis plus maman, plus papa, on connaît l'histoire, je suis triste, tout ça, c'est terminé, c'est terminé. Voilà. C'est pas le moment de me faire chier. D'accord, d'accord, d'accord. C'est mérité, je suis désolé. Je l'ai pas volé, je l'ai pas volé. Mais oui, tu l'as pas volé. Et franchement, si je serais elle, je t'en aurais mis une deuxième, tu vois. Il était pas là, lui, quand H est mort. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Oui, oui, personne connaît. C'est sa sœur. Non, c'est ça. Si, moi je connais. Donc calme-toi. Autant pour moi, autant pour moi. Ne refais plus. Calme-toi. Toi, tu te calmes. Calme-toi parce que Man va me protéger. Moi ? Non, pas toi, elle. Tu te calmes. Oh non, monsieur. Je te pointe du doigt, tu te calmes. Envoie mon couteau, toi. On n'est pas obligé d'en arriver là. Oui, par contre, un coup de couteau pour si peu, c'est pas non plus nécessaire. Non, c'est juste qu'il a tendance à me voler mes affaires. Rends-moi mon couteau. Ah oui, rends-lui le couteau. Ah bah, rends-lui le couteau. Non, mais je te l'ai rendu le couteau, je crois. Monsieur, mais arrête, t'essaies de me le voler tous les jours. Non, monsieur. Pas de bagarre, pas de bagarre. Monsieur, donner ses données, reprendre ses volets, monsieur. Donc rendez-lui ce couteau. Concernant la suite de ce que je t'ai dit, ça va se faire. D'accord. Le seul truc que je te demanderais, c'est juste de ne pas mourir. C'est possible? Oui, je vais pas mourir. Voilà. À la limite, cet homme, bon. Quoi, moi? Quoi? Non, mais cet homme charmant. Quoi, moi? Tu veux t'emboucaner? Mais il n'y a pas d'emboucaner. Personne... Non, monsieur, écoutez, personne n'emboucane personne. Tu me dis, je ramène mon point américain, tu vas en prendre plein de règles. Je ne vous. Un point américain, qu'est-ce donc? Mads, c'est mon tonton, respecte-le. Bah oui, qui me respecte. Respectez-vous mutuellement, putain. Écoutez, oui, il y a un peu d'amour ici, ça manque d'amour, il y a trop de haine. Vous me respectez, je vous respecte, sinon on clique-clique. Donc ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de clique-clique. Je pardonne. Écoutez-moi, non, mais oui, pardonnez-moi. Je peux compter sur vous pour protéger cette demoiselle? Mais oui, de votre vie. De votre vie, monsieur. De ma vie. C'est la prunelle de ses yeux, vous savez. Monsieur. De ma vie et de mon cuir, je défendrai cette gonzesse. Si elle meurt avant vous, on vous tue. Non, non, mais c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Arrêtez de dire ça à un biker. Donc, comme je vous disais, si jamais cette demoiselle meurt avant vous, vous avez promis sur votre honneur et vous avez un honneur, monsieur, une dignité. Ouais. Vous avez promis de la protéger. Donc, elle ne doit en aucun cas mourir avant vous. Vous avez compris ou pas, monsieur? Je comprends totalement. Sinon, vous faites honte à votre dignité, à votre honneur et à l'Amérique, monsieur. Et au drapeau américain. Attention aux cendres, les filles, tout de même. On respecte le drapeau américain. Tonton, attends, je t'ai mis des cendres sur ton... Non, mais il n'y a pas de souci. Attends 2 secondes, excuse-moi. Bon, écoutez, on va vous laisser. Et voilà. Oh, je vais aller me coucher, moi, je suis fatigué. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. On est très fatigué. Tout le monde va se coucher. Oui, le parking. Ah oui, il est tard, ouais. Où est le parking, les filles, excuse-moi? Loin. Très bien. Il y a votre voiture là-bas. Nous allons loin. Non, on a dormi sur des palettes. On a un appartement, mais on n'a pas encore mis les pieds dedans. Oui, c'est vrai. Si tu veux, tu peux dormir dans ma planque. Si c'est ici ta planque, écoute, les filles, je m'en passerai. Je préfère dormir sur des palettes. Mais si vous voulez, il y a un hôtel à Sandy Shore. On connaît la loi, monsieur. Oui, on connaît la loi, cette ville a l'air très sympa, mais on préfère dormir sur des palettes, monsieur. C'est plus sécurité. Bonne nuit, tonton. A très vite, bisous. Bonne nuit, crâne de bowling. Bonne nuit, ma petite Effie, je te fais la bise. Non, allez, c'est bon, c'est terminé. Oui, voilà, allez, on y va. Je n'ai pas rencontré un être humain censé dans cette ville, monsieur. Oui, bon, mets-moi au parking. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. On va rien faire. On laisse faire des choses. Je vais appeler le président. Si il est injoignable, on va au lit. Voilà. J'en ai marre. Ouais, par contre, il est possible que dans les 10 prochains jours, les 10 jours qui viennent, à partir de demain, on soit un petit peu plus actif dans cette ville suite aux affaires, aux problèmes conséquents qu'on grève, évidemment. Je vois bien ce qui se passe en 10 jours déjà. Mais c'est juste le temps de 10 jours. Hein. Parce que là, ça me fait peur. Mets le parking en ville. C'est un parking. Il y a le parking. C'est un parking. Oui, j'entends bien tes propos. Oui, bonjour, monsieur le président. Oui, allô. Oui, vous allez bien? Ça va, écoutez-vous. Oui, bonjour, Matin. On survit. Dites-moi, est-ce qu'on peut se voir maintenant, s'il vous plaît? Parce qu'il commence à se faire tard. Très bien, présentez-vous à mon gouvernement dans, allez, 5 minutes. Très bien, mais écoutez, on n'est pas à côté, mais on arrive. Allez, merci beaucoup. À tout de suite. Le président, on va voir le président. Bon, département gouvernemental, je ne sais pas où c'est, démerde-toi, t'as 5 minutes pour trouver. Par contre, Sterling, je vais te demander de me laisser parler face au président, parce que j'ai des choses très sensibles à lui dire. Tu seras là, évidemment, hein, mais juste me laisser parler. Le président. Président des États-Unis d'Amérique. C'est ça, hein? Non, je pense pas. Monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, monsieur le président? Non, absolument, c'est moi-même. Enchanté. Écoutez, ça va très bien. C'est un honneur de faire votre compte, monsieur le président. Bah écoutez, plaisir partagé. Dis-moi, vous avez passé les petits portiques de sécurité, ça va pas bipé? Non, mais non. Ok, bah c'est bon, moi je fais confiance. Allez, vous avez passé une bonne journée, monsieur? Bah écoutez, on fait avec. Cette ville est très mouvementée. Compliqué. Une journée d'avocat. Voilà, une belle journée d'avocat. Alors, monsieur le président, vous êtes président de la ville des États-Unis? De la ville. Tu vois, c'est ce que je te disais, Sterling. Vous êtes maire, monsieur le maire, alors. Effectivement, installez-vous. Bien sûr, merci à vous. Je vais rester debout. Je vais rester debout également. Ça sera très bien. Ah, pas de problème, je vous écoute, monsieur. J'ai un très gros problème et je pense que vous devriez par contre vous asseoir pour le coup. Est-ce que si je vous dis le nom de Madame Effie Cooper, ça vous dit quelque chose? Oui, absolument. J'ai un très gros problème. Donc je vous présente Sterling à ma gauche, ici présent, ici même. Enchanté, enchanté. Voilà, je suis Monsieur Cooper, donc. Enchanté. Nous sommes. Je suis Rick Cooper et monsieur Marty Sterling. Et donc, j'ai un souci et j'aimerais vous en parler parce que je pense qu'il y a de très graves problèmes et j'aimerais ne pas me retourner, si je puis me permettre, contre le gouvernement pour les assainir en justice. Donc, on va remonter le fait de Effie Cooper. Je suis donc son... oncle, je sais beaucoup de choses, mais je sais surtout que ce n'est pas une terroriste, comparé à ce que les gens veulent faire croire. Là où il y a... J'ai l'impression qu'en ville, elle est adulée comme une déesse, ça peut aller niveau réputation. Écoutez bien. Le problème, oui, il y a eu des dérives, d'accord? Absolument. Mais vous n'avez pas su l'écouter au moment où elle avait besoin de vous. Je parle pas de vous en tant que président, je parle de vous en tant que la police, le FBI, la CIA et toute autre forme de sécurité. Elle a essayé de négocier une protection, vous lui avez dit oui, elle avait 5 jours, sinon elle pouvait mourir. Résultat, arrivé le cas échéant, vous l'avez laissé tomber. Un engrenage. Voilà, un engrenage. Ce qui a emmené malheureusement le serpent qui se mord la queue, ce qui a emmené à un engrenage terrible où, pour s'en sortir et pour sa survie, elle a donc dû faire le nécessaire. Et je vous en veux énormément, monsieur le président, de ne pas prendre cette affaire suffisamment au sérieux, de ne pas régler suffisamment les problèmes. J'ai été moi-même, ainsi que Sterling ici présent, au commissariat plus d'une fois, et nous avons vu des débordements, des non-respects de la loi d'agents de police. D'accord? Je pense que dans cette ville, les agents de police, si je puis me permettre, ne font peut-être pas les bonnes choses. Vous avez donc promis à une femme une sécurité qu'elle n'a pas eue. Elle a failli mourir. Elle s'est uniquement défendue. Et maintenant, vous osez, quand je dis vous, je ne parle pas de vous, monsieur le président, d'accord? Je parle de l'institution. Voilà, je parle de l'institution, de cette nation. J'entends. Vous osez vouloir la poursuivre et vouloir sa tête en échange de millions de dollars. Je trouve ça honteux et je pense qu'il faudrait... Voilà, nous sommes un pays de droit et nous sommes là, nous connaissons la loi et nous sommes là pour la faire respecter. Donc, monsieur le président, si on vient vous voir pour une affaire aussi urgente et exceptionnelle, c'est pour discuter, d'accord? Très bien. Et pour, pourquoi pas, trouver un pourparler pour que... Madame Effie Cooper s'en sorte sans trop de dommages. Alors oui, s'il y a des choses à payer, elle les payera, mais je veux que la justice soit faite et que la police se rende compte de ses erreurs. Vous avez fait des promesses que vous n'avez jamais tenues. Et quelles sont ses promesses? Une sécurité. Je suis son oncle. Je connais toute l'histoire, que vous le vouliez ou non. Je sais qui elle fréquente, je sais qui fréquente qui, et il y a des gens pas fréquentables, soyons francs, d'accord? Absolument. Il y a eu des choses qui ont été faites terribles, je suis bien d'accord, mais monsieur, et je pense que vous serez le premier d'accord, si votre vie est en danger et qu'on vous promet une sécurité que vous n'avez pas, vous vous débrouillerez seul. Oui, jusque-là, je vous entends. Légitime défense, monsieur. Il faut être capable, il faut être en mesure, monsieur, si je me permets, de comprendre les antécédents. Bien sûr. Vous savez, tout a un point de départ. Et ce point de départ, on ne peut pas accuser quelqu'un simplement par ses actions sans comprendre son passif, vous voyez. Et il faut que vous compreniez qu'il y a une grosse erreur de l'institution américaine au sujet de cette jeune femme, Effie Cooper. Exactement. Et cette institution américaine, vous, en tant que président, vous devez faire en sorte que cette histoire soit réglée de manière cohérente, sans mensonge, cette fois-ci. Il n'y a aucun mensonge. Il y a des mensonges, monsieur le président. Il y a des mensonges. Pas de vous, pas de vous, monsieur. J'entends que vous ne m'attaquez pas personnellement, je l'entends, il n'y a pas de souci. Non, lorsque vous évoquez des faits, je veux avoir des noms et des choses pour pouvoir... Le FBI, la police, vous lui... Attendez. Concernant sa sécurité. Donc, concernant sa sécurité, nous sommes bien d'accord. Concernant sa sécurité. D'accord, donc vous avez estimé que donc elle n'a pas été assez en sécurité et donc elle a été... Ce n'est pas une estimation. Non, ce n'est pas... Écoutez, monsieur, ce n'est pas estimation. Si elle a dû faire ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'était pas en sécurité. C'est qu'elle... Garantir la sécurité de quelqu'un, monsieur, vous savez ce que c'est? Bah, vous allez me le dire. C'est pas parce que cette personne-là se sentait seule qu'elle ne l'était pas en sécurité. Il y a deux choses différentes. Sachez une chose, cette personne était donc recherchée par un terroriste renommé, nous sommes bien d'accord, et donc avait une dette familiale ou autre. Peu importe. Nous, la protéger, c'est un fait, nous le faisons. Enfin, nous l'avons fait de manière invisible, ce qui nous permettait en même temps de garder une trace sur elle et de voir aussi ses agissements. Mais en aucun cas, nous n'avons pas... Monsieur, c'est une protection. Monsieur le Président, qui protégez-vous dans cette histoire? Monsieur le Président, avez-vous un cœur? Vous êtes le Président, vous ne devez... Mais absolument que j'ai un cœur. Vous ne devez pas prendre un parti. Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous protégez des gens qui ne méritent pas d'être protégés. Il y a eu des morts dans cette affaire. Il y a eu énormément de morts de tous les côtés, messieurs. Dont sûrement... Sûrement, Monsieur le Président, permettez-moi de le dire, mais c'est une vérité, dont sûrement des amis à vous, n'est-ce pas? J'ai perdu du monde, mais... Ça je pense que des gens qui travaillaient dans ce commissariat étaient sûrement... En tout cas, vous étiez en bonne connaissance avec un commandant, avec plein d'autres monde. Donc forcément, il y a un côté... Il y a une pression qui se crée. Écoutez, cette prime est une manière de dissuasion et une manière aussi de prouver que des choses dans cette ville que vous accomplissez si vous faites des méfaits, c'est donc ça par la loi, un attentat, décapitation d'un être humain. Vous entendez bien que ce sont des choses qui sont inadmissibles d'après la Constitution américaine. N'oubliez pas le passé. Dans la Constitution américaine, vous avez fait une promesse que vous n'avez pas respectée. Quand je dis vous, je parle de l'État. Oui, mais vous estimez que l'État n'a pas tenu sa promesse. Exactement. Vous l'estimez. Est-ce que c'est un fait? Non, pour moi, c'est pas un fait. Monsieur, le problème dans cette histoire, c'est que vous n'avez qu'un côté de la vérité et qui forcément ira dans votre sens. Vous avez vos amis qui sont au commissariat. Non, Monsieur Cooper, sachez une chose, je ne fais pas à l'affect. Et ça, sachez-le, je suis gouverneur depuis 7 ans, ce n'est pas pour rien. C'est mon deuxième mandat et ce n'est pas pour rien que je suis là. Je fais toujours preuve d'impartialité, peu importe le cas, et bien au contraire, votre nièce me fait énormément de peine et j'aimerais... et vous pouvez même lui demander, vu qu'on a des échanges au téléphone quotidien, vu qu'elle a l'air de bien apprécier ma plaie, que je ne suis pas là pour lui mettre une balle dans le crâne, monsieur Cooper. Dans ces cas-là, trouvons une solution. Parce que mettre une prime, et d'ailleurs, monsieur Sterling, ici présent, va vous parler de son avis sur cette prime. La prime, monsieur, lorsque vous mettez une prime comme ça sur une femme, qui plus est quand sa vie est en danger, c'est une prime, j'ai cru entendre, mort ou vif, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Je pense qu'on ne recherche pas la justice quand on fait une prime. Normalement, monsieur, les primes sont pour les informations, ne sont pas pour une chasse à l'homme ouverte. Vous savez très bien qu'il y a des gens... Surtout que vous êtes la police, monsieur. Enfin, voilà. Vous êtes, vous ne pouvez pas... Juridiquement... Non, monsieur, attendez, je finis Cooper. Juridiquement, on pourrait vous attaquer pour cette prime. Juridiquement, je vous le dis. Je ne dis pas qu'on va le faire. Je dis qu'on pourrait vous attaquer pour cette prime. Parce qu'elle est illégale. La justice américaine ne joue pas avec la vie des gens. Vous ne pouvez demander une prime pour des informations... Mais certainement pas pour une capture. Vous ne pouvez pas, avant jugement, rechercher quelqu'un mort ou vif. Rien que pour cela, on peut vous attaquer, monsieur le président. Alors, je vais déjà vous refaire recontextualiser les choses. Vous êtes complètement d'accord que ces primes ont été énoncées sur des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas sur Twitter. Les annonces sont faites de manière officielle via donc les vraies annonces. Vous avez pourtant affirmé, quand vous avez dit qu'il y avait une prime mort ou vif, que c'était le cas. Oui, parce que c'est le cas actuellement. Mais le problème, c'est que la décision n'a pas été prise par moi et je suis en train de la révoquer. D'accord, c'est bon. Alors, Donc, je n'apprécie pas qu'il y ait des décisions prises contre mon gré ainsi que contre mes choix. C'est bien pour cela que je suis en train. Sauf que ce qui vient de se passer, c'est trop facile parce que vous pouvez pas revenir en arrière. À cause de cette prime, Madame Effie Cooper, imaginez si vous avez demain une prime sur vous. Alors oui, vous êtes en train de la révoquer, Monsieur le Président, mais il va falloir réparer. Vous connaissez le passé, Monsieur Cooper, pour me dire est-ce que vous, si vous auriez une prime sur vous, vous ne savez même pas ce qui s'est passé dans ce pays, dans cette ville. Mais vous êtes président, donc vous n'avez rien fait de mal de toute évidence. On ne peut pas être président. Il y a 4 ans, Monsieur Cooper, il y a eu un coup d'État de la part d'un pays très voisin à nous, qui est la Russie. On réalisait un coup d'État ici d'une durée de 2 semaines. J'avais une prime de 50 millions de dollars sur ma tête. Eh ben dans ces cas-là, vous savez ce que ça fait. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, et on se parle entre hommes respectueux ici, tous, hein, évidemment. Absolument. J'ai quand même l'impression que vous avez une part de vous en réalité, si je puis me permettre. Vous ne pouvez pas mettre une prime. Alors, vous la révoquez, et ça, c'est très bien de votre part. Mais ça ne marche pas. Elle n'a pas été prise par mon choix. Mais imaginez que des gens, à l'heure actuelle, la recherche pour cette prime. Tant qu'elle n'est pas révoquée, comment comptez-vous réparer tout ça? Oui, il y a une tête qui est tombée. Bien sûr qu'il y a une tête qui est tombée. Mais en attendant... Absolument, c'est inadmissible. Mais c'est tout aussi inadmissible qu'elle n'a pas été protégée, qu'elle a une prime. Mais vous voyez quand même la différence. Vous voyez la différence? On parle d'un meurtre. Parlons de ces choses. Nous parlons d'un meurtre, non pas seulement un meurtre. Nous parlons d'un meurtre pour quelqu'un qui tient à sa vie. On parle de décapitation, Monsieur Cooper. On parle d'essayer de donner des avertissements. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Non, on parle de menaces ouvertes envers la Constitution américaine, monsieur. Elle n'avait pas le choix, Monsieur le Président. Monsieur le Président, découper une tête, nous avons tous le choix de découper une tête, Monsieur Cooper, personne ne le fait. Non, si vous avez un pistolet sur la tempe et que votre seule solution c'est couper une tête, monsieur, elle n'avait pas un pistolet sur la tempe, Monsieur Cooper, pour lui couper la tête, arrêtez. La loi est claire. Donc vous ne connaissez pas l'histoire, monsieur, c'est bien le problème. La loi est claire, un meurtre est un meurtre, quel que soit son état. Voyez-vous, que ce soit une décapitation ou un coup de couteau dans le foie, on n'a pas à parler de... Oui, mais une décapitation a des antécédents psychologique. Non, je ne suis pas d'accord. La Constitution américaine exige que la légitime défense, d'accord. Mais elle n'a pas plaidé la légitime défense. Elle a avoué son meurtre. Elle n'a pas plaidé de légitime défense. Elle-même ne le plaide pas. Je suis devant. Elle n'a pas, monsieur. Elle n'a pas eu le choix. Imaginez que vous êtes un civil sans problème, que du jour au lendemain vous venez à tuer pour survivre. Vous pensez que vous allez vous rendre? Non, monsieur. Qu'elle a tué était un civil sans problème, monsieur. Mais parce que le FBI n'a pas assuré sa protection. Et votre problème, Monsieur le Président, c'est que vous ne remontez pas à cette histoire et vous ne remontez pas aux origines du problème. C'est votre souci. Vous êtes enfermé dans l'idée qu'elle a décapité sans aucun argument possible. Elle ne peut pas se défendre. Comment voulez-vous qu'elle vienne vous voir et qu'elle vous avoue les choses vu que vous êtes déjà dans votre tête déterminé? Et c'est pour ça qu'en tant qu'avocat, on pourrait depuis bien longtemps vous faire une procédure, chose qu'on ne va pas faire. C'est pour ça qu'on veut vous parler, pour mener ces choses correctement, professionnellement et en adulte. Mais de toute manière, Monsieur Cooper, malheureusement, vous ne pouvez pas plaider en son nom, il y a conflit d'intérêt. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Absolument que oui, vous êtes de la même famille, Monsieur Cooper. Monsieur, écoutez-moi bien. Sterling Cooper, je suis Sterling, je suis en charge de cette affaire et c'est mon... Voilà, Monsieur Sterling, il n'y a pas de problème. Peu importe que ça soit sa nièce ou pas, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans la mesure où... Que si. Non, il n'y en a pas. Mais vous êtes en conflit d'intérêt avec, parce que vous connaissez la police et parce que vous avez des dessous de table. Arrêtez, alors. Moi, je ne plaide pas ni pour... Monsieur, soyez réaliste, s'il vous plaît. On est en train de... contre elle. Si vous la représentez officiellement avocat, il y a un conflit d'intérêt. Vous vous rendez compte que vous êtes le président et que vous me dites sans aucun remords que oh, on a mis une prime de 2 millions sur elle, mais c'est pas grave, monsieur, je vais la faire retirer. Il n'y a pas de conflit d'intérêt lors de prise d'avocat. Si je veux que mon papa soit mon avocat, il peut être mon avocat. Le conflit d'intérêt ne regarde que elle en fin de compte, et de ce qu'elle a à dire ou pas. Et ça ne regarde pas la justice, enfin en tout cas les institutions américaines. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt pour une enquête. Par exemple, un policier qui va enquêter sur un membre de sa famille, c'est un conflit d'intérêt. Voyez-vous, là il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, très bien, Monsieur Sterling, je continuerai à tenir mon point de vue, mais ce n'est pas là la fin du sujet, donc on peut passer à autre chose. Oui, non, mais je me dis que si vous pouvez vous égarer sur ce sujet... Non, mais on n'est pas là pour s'égarer, il faut aller droit au but, c'est bien ça le... Le projet droit au but, dans ces cas-là, c'est que vous allez réfléchir, s'il vous plaît, à une solution pour cette citoyenne. D'accord. Et au lieu de vous appeler, quand elle vous appelle, ne décrochez pas, parce que vu l'état, effectivement, que psychologiquement, c'est plus elle-même. Bien sûr, monsieur. Elle a eu une prime de 2. Elle a d'ailleurs toujours une prime de 2,5 millions. Donc elle oui, a sombré, on reconnaît qu'elle a sombré dans la violence. Bien sûr, psychologiquement, ce n'est plus la même. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de des institutions américaines. Des institutions américaines. Monsieur, en aucun cas accuser quelqu'un pour justifier quelque chose de valable quand même. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à toute cette conversation. On peut prouver, vous inquiétez pas, ça c'est pas le problème. Et suite à notre discussion, c'est pas difficile. Maintenant, ce que je vous propose, d'accord, monsieur le président, c'est de réfléchir durant les jours qui viennent, en plus de révoquer cette prime ridicule qui peut emmener tout le département policier et FBI devant un tribunal, donc de réfléchir dans les jours qui viennent pour sauver ce citoyen. Croyez-moi, je peux vous faire une promesse, monsieur. Réfléchissez bien à trouver un terrain. Ce n'est pas une menace, croyez-moi. Hein, je ne suis pas quelqu'un de menaçant ou qui cherche l'élection. Non, absolument pas, je ne le prends pas comme ça. Je suis quelqu'un de très respectueux de votre statut, mais croyez-moi, monsieur, que si nous constatons qu'il n'y a pas d'effort fait pour un terrain d'entente, pour un pourparler, pour de l'empathie tout simplement envers notre cliente, nous porterons plainte pour cette histoire de prime qui est très grave. Écoutez, et pas que cette histoire de prime, mon cher Sterling. Non, mais aussi les erreurs de promesses qui ont emmené ce citoyen à faire des choses horribles. C'est de la manipulation. Non, je n'accepterai pas, ce sont des termes faux. Non, il n'y a pas de... On a des preuves, monsieur. C'est de la diffamation. Ah non, monsieur, il ne peut pas y avoir de diffamation entre vous et moi, monsieur le président. Excusez-moi d'ôter le ton. La diffamation, c'est je vais dehors et je dis des méchantes choses. Non, mais vous diffamez au nom de l'État actuellement. Je ne diffame pas au nom de l'État, je dis ce que vous encourez si jamais on décide d'emmener l'État devant un tribunal. Et je pense, monsieur le président, que personne ici, ni vous, ni nous, n'a envie d'aller jusque-là. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous seriez prêt à sauver un citoyen d'un très gros problème? Et sauver l'honneur des institutions américaines. M'entretenir avec vous, qui, somme toute, êtes-vous déjà un petit peu plus pédagogue, et essayer vraiment de trouver un terrain d'entente, je m'y hâte à vouloir trouver une solution. Je ne suis pas là pour détruire la vie d'une gamine, messieurs. Alors, loin de là. Dans ces cas-là, j'ai peut-être une solution qui peut vous mettre sur la voie, d'accord? Très bien, je vous écoute. Je pense que l'Amérique propose, pour les cas les plus grave, un changement d'identité ainsi qu'une petite protection les premiers jours. Est-ce que vous pourriez autoriser Madame Effie Cooper de changer d'identité, tout simplement, pour qu'elle puisse peut-être retrouver, évidemment, on apportera des garanties. Voilà, on apportera derrière des garanties avec, évidemment, un suivi psychologique de votre part pour les premiers jours, premières semaines, premiers mois. Est-ce que c'est envisageable, sachant que la Constitution américaine le propose? Absolument. Très bien, monsieur le président. On peut même mettre sur la table. Je ne suis pas là pour détruire la vie d'une gamine, pour vous. Monsieur, pour vous montrer notre bonne foi, on peut même mettre sur la table un système de conditionnel. C'est-à-dire que s'il s'avérait qu'elle fait quelconque acte criminel, une grosse peine pourrait l'attendre. Voyez-vous, on n'essaie pas non plus de blanchir notre cliente et utiliser les institutions à notre efficience. Hein. Non, ce qu'on souhaite là, c'est montrer notre bonne foi, monsieur. Très bien. Maintenant, moi, la chose qui me réfrène à cette idée, malgré que je vais quand même y réfléchir à tête reposée, c'est qu'on parle quand même d'un meurtre vis-à-vis d'un citoyen, et ça, c'est compliqué. C'est que l'attentat qui a été effectué au Pacific Bluff, qui a été revendiqué par elle, il peut s'avérer que, vu son état psychologique, et si elle est diagnostiquée instable, on peut lui enlever ce chef d'accusation-là. Elle est instable. Si je ne me trompe pas. Elle est instable. Si je ne me trompe pas, vous êtes avocat. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Un client, on peut lui enlever ce chef d'accusation si elle est diagnostiquée instable. Maintenant, le meurtre, ça reste... cet homme avait sûrement des proches, etc. Et ça, je pense que ce sera difficile à avaler pour ces gens-là. Bien sûr, mais ça, je pense que c'est au FBI de régler cette histoire. Parce que tout est parti d'eux. FBI, police, c'est à eux de régler cette histoire. En aucun cas, les gens doivent demander de voir la tête de Madame Effie Cooper, sachant que... Bah, absolument. Qu'il a entraîné à ça, c'est de fausses promesses. On ne répond pas au feu par le feu, loin de là. Exactement, monsieur. Exactement, et je suis ravi de l'entendre de votre bouche. Voilà. Voilà. Rien dire ce message, monsieur. Aucune prime n'est actuellement... J'ai pas compris. J'ai pas compris la forme. Ça veut dire que la prime a été retirée, je pense. D'accord. Regardez votre téléphone. C'est juste un statut de rappel de tutelle. Voilà. D'accord. Ah ben c'est une très bonne chose. Et cela, monsieur. Y a pas de souci. Monsieur le président, on vous laisse nous guider vers la sortie. Et puis, je vous rappellerai demain soir pour une petite discussion. Et on vous remercie de votre écoute et de votre, évidemment, de votre professionnalisme. En espérant pouvoir. On y arrivera. On y arrivera. On n'espère pas, monsieur. Monsieur, on connaît la loi. Nous n'espérons pas. La bonne volonté fait office de sagesse. À condition que la bonne volonté soit partagée, mon cher Sterling. Tout à fait. Comme dirait Boutang Klang, quand il faut y aller, il faut y aller. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le président. Merci à vous. Faites attention et puis passez une excellente soirée de même. À très bientôt. Mes respects, monsieur le président. Merci à vous. Viens dans la voiture, c'est à gauche. Oh les gars. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous travaillez au gouvernement? Ah non, non. Pourquoi? Ah bah Pardon? Bien le bonsoir. Pourquoi la voiture là, elle nous observe là? Pardon? Voilà. Vous travaillez ici? Ah non, non, ah non, pas non, 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 pas non, vous déconnez, vous déconnez. Eh, on a un point commun, Boule. Oui, dites-moi. Voilà. Oh, dis donc. Dis donc, des belles rouflaquettes que vous avez là en tout cas, monsieur. Merci, merci. Tout une belle très à la mode en ce moment. Oui. Vous êtes des bikers, si je puis me permettre. Tu déconnes, sans déconner. Sans déconner, sans déconner. On déconne pas. On déconne pas. On déconne pas. Personne n'a un peigne pour ma coupe. Celle-là, elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Allez, bonne soirée. En tout cas, j'aime beaucoup votre sympathie. Bon, Cooper. Encore une rencontre comme ça, je fais exploser la mairie. Non. Attends, je ressors. Parce que vraiment ces sièges... Bon, mets-moi le garage, j'ai envie de dormir. Oui, on a été bon, on a été bon. Et quand c'est notre métier, on connaît, hein. La loi, on connaît. Bah c'est surtout que c'était mon plan depuis le départ, je savais qu'il était dans l'illégal en ayant fait une prime et... En fait, ah oui, non mais la prime c'était extrêmement illégal. Hein. Ça, pour ça bah oui, non, mais évidemment. Tu vois, mon cher Sterling, on vient de mettre la pression à un président. Ouais, non mais on, bah, ouais, on est bon. Bon, il y a combien de garages dans cette merde? C'est comme quand il a parlé de conflit d'intérêt, de quoi il parlait là. Je l'ai calmé, t'as vu, je lui ai sorti l'article 25. T'as été bon. Bon, mon cher Cooper, bah, je vais dormir là-haut, là, dans le buisson. Bah écoute, bah, j'y vais, je vais aller là, buisson gauche. Je te propose de passer une bonne nuit et tu sais quoi? Je ne sais pas. Eh ben, on va parler.